Ouais, mais c'est. Pas dire à la paillasse. Ouais, mais je me dirais à la paillasse. À Castres, on a un BUT qui va tourner autour de trois spécialités, la spécialité de la synthèse, la spécialité de l'analytique et la spécialité de la formulation. Il s'agit en fait d'une formation qui est à la fois professionnalisante et technique, puisqu'elle associe en fait des enseignements donc académiques, théoriques, mais aussi des enseignements pratiques, alors à travers notamment les travaux pratiques qui sont parfois encadrés en fait par des professionnels du coup du secteur industriel. On va pouvoir passer beaucoup de temps en TP, donc travaux pratiques, et être bien accompagné par les professeurs. Dans le BUT, on fait beaucoup de pratiques, donc c'est bien puisqu'on alterne entre les cours théoriques et les TP, et donc j'aime ça parce que c'est vraiment, on a l'impression de faire des choses et apprendre et qu'on sait que c'est ce qu'on va faire dans le milieu professionnel. Les différents en fait, modules, les unités d'enseignement sont pensés pour être en adéquation avec ce que l'on attend en fait, dans le milieu professionnel, qu'il s'agisse du secteur public avec les laboratoires universitaires ou bien dans le secteur privé avec les entreprises. On est un établissement où on met un point d'honneur à faire de la pratique avec beaucoup de séances de travaux pratiques, beaucoup de professionnalisation, un stage en deuxième année et une troisième année en alternance majoritairement. On peut faire des stages au bout de la deuxième année qui nous permettent de voir le vrai métier de technicien. Et au bout de la troisième année, elle se passe en alternance. C'est ce qui va nous permettre du coup de vraiment avoir une expérience professionnelle solide. Et donc après, si après l'UT on décide de continuer, et ben on pourra du coup déjà prétendre avoir une expérience professionnelle pour une entreprise. Ou si on veut directement aller travailler, on a une expérience et des fois même les entreprises peuvent nous récupérer. C'est vrai que ce sont des profils qui sont très plébiscités en général dans le cadre de l'entreprise. Et à mon sens, c'est même aujourd'hui la voie royale vers l'employabilité, en tout cas pour les Bac plus 3.